Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait un petit peu à la baisse ce matin, puisque lorsque je faisais mon analyse donc matinale, on était ici quasiment au contact de la zone des 7525 points. Le CAC 40 s'est bien repris, puisqu'avec cette bougie ici totalement hésitante, on repasse au-dessus de la zone des 7570 points. C'était un niveau qu'il fallait observer en cas de refranchissement à la hausse. Et on parvient donc à clôturer au-dessus de celle-ci, puisqu'à 7576.02, le CAC 40 gagne aujourd'hui 0,46% par rapport à la clôture de la séance précédente. Toutefois, on peut observer que le point haut ici n'a pas réussi à repasser au-delà de la zone de support oblique ici qui définissait l'ancienne dynamique. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une poursuite de rebond qui reste technique. Au niveau des indicateurs, nous avons ici une configuration des histogrammes du MACD qui est en train de changer. On est quasiment en train de se retourner, ce qui pourrait être un signal relativement positif. Le RSI est quant à lui en zone neutre. Les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Par rapport à cette bougie ici, c'est assez décevant puisque des volumes qui auraient été supérieurs avec une ombre ici portée sur la partie inférieure nous auraient indiqué une conviction assez forte de revenir sur un mouvement haussier à la suite ici d'un mouvement initial qui lui était baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le CAC 40 est en hausse et nous avons quelques belles hausses au niveau de l'indice. À noter Kering plus 4,57%, LVMH plus 2,70%. Derrière Carrefour, BNP Paribas ou Orange sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Capgemini, moins 2,72, Téléperformance, moins 2,71. Derrière Safran, Unibail et Rodamco sont sur des pertes légèrement supérieures à 2%. Edenred se situe juste en dessous. Donc on a clairement un mouvement ici qui tente un retour, mais graphiquement et techniquement, ce n'est pas suffisant. Manque de volume, donc manque de conviction. On reste ici sur ce support. On revient sur la zone des 7570 points avec très peu de conviction, puisque l'on clôture juste au-dessus de cette zone. Au moment de cette analyse, les cours se stabilisent justement au niveau de la clôture. Donc on ne peut pas réellement parler ici d'un fort mouvement par rapport justement à la force de ce mouvement que nous avions observé vendredi. On est ici plutôt sur un point d'arrêt. Donc au niveau de la configuration technique, ce qu'il va falloir observer, c'est la poursuite de ce mouvement. Donc ce qu'il faudrait, c'est rester durablement au-dessus des 7570 points. Pourquoi pas en direction ici des 7630. La réintégration ici sur un niveau supérieur à ce support oblique serait un signal positif, mais globalement, on voit ici que l'on est plus actuellement sur un mouvement neutre, et ce sera le cas tant que l'on oscillera ici entre 7630 et 7460 points. Sous 7460, on retrouverait une conviction très négative avec, dans ce cas-là, un risque de poursuite ici en direction de la zone de 7350-65 points. Au-dessus des 7630, on reviendrait sur une possibilité de reprise du mouvement haussier, puisqu'au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et en direction ici de la bolle supérieure, voire de cette zone de point haut ici proche des 7800 points. Mais actuellement, là où nous sommes, on est un petit peu entre deux eaux. On le voit ici, on a eu une forte baisse. Derrière, malgré une bonne news, un rebond technique qui est vraiment timide. Donc clairement, on ne peut pas réellement parler d'un retournement de tendance. Il va falloir observer un petit peu ce qui se passe ces prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Au niveau des statistiques, des probabilités d'évolution, qui, je le rappelle, se base sur un backtest
pris sur les 20 dernières années. Nous avons une conviction qui est très moyenne, nourrie par un nombre d'occurrences exploitables mais assez faibles, et ce serait plutôt la baisse qui l'emporterait. Alors une baisse assez peu marquée, mais qui pourrait prendre la forme ici, à la suite ici de ce rebond, et bien d'un retour progressif sur la zone des 7460 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.